Béni Manuel, bonsoir. Il est le Dieu qui est vivant. Alléluia. Soyez bénis. À Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis. Shalom à vous. Shalom, frère Albert Loma, shalom Serana. Soyez abondamment bénis. Abondamment. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Oh, je sens l'amour de Dieu. Alléluia. On peut aussi, pendant ces temps, partager. Salutations à toi, ma soeur Marianne Bargo. Partage pour nous aussi la vidéo. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il est vivant notre Dieu. On partage la vidéo. Que Dieu nous bénisse. Encore quelques minutes, nous allons démarrer. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, qu'il nous fasse réellement du bien. Alléluia. Quelques minutes, nous allons démarrer. Que Dieu nous bénisse. Pendant ce temps, on peut partager aussi déjà la vidéo. Dieu va nous faire encore du bien comme d'habitude. Dieu va encore nous bénir.
Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Il est vivant, notre Dieu. Alléluia. Oh, dans quelques minutes, nous allons commencer notre service. Je bénis grandement le Seigneur. Aujourd'hui, il n'a pas fait très beau ici en Angleterre. Le climat n'était pas vraiment, vraiment bien. C'est un peu la coutume ici, quand il fait chaud, donc il faut s'attendre au froid, il faut s'attendre à la pluie et tout mélanger. Mais Dieu est vivant, c'est lui qui nous garde. Soyez bénis. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alpha and Omega. Oh, hallelujah. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Hallelujah. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Hallelujah. Hallelujah. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. Oh, bien-aimés, nous allons maintenant prier. Nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains de notre Dieu, lui qui est le Dieu puissant. Nous allons bénir réellement son Saint-Nom et recommander tout entre ses saintes mains. Je vais prier. Dieu notre Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Merci, Éternel mon Dieu, pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci, Éternel, pour ta grâce que tu témoignes encore à notre égard. Mon Dieu, en ce jour des 30 juin, Éternel mon Dieu de gloire, Yahweh 2020, nous voulons te bénir, recommander toutes choses entre tes mains. Que l'Esprit de Dieu soit réellement au rendez-vous. Que l'Esprit de Dieu se manifeste. Bénis ces instants éternels. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Nous bénissons grandement son nom, lui qui est le Dieu vivant, lui qui est le Dieu puissant. Et je crois que les sons est bon. Je crois aussi que l'image est bonne, que nous pouvons commencer sans problème. Gloire à Dieu. Alors, avant de commencer, je voudrais d'abord bénir l'Éternel pour tous nos frères et sœurs de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est le 60e anniversaire de l'indépendance. Que l'Éternel bénisse la République démocratique du Congo. Et nous croyons que il y aura encore de bonnes choses et Dieu va encore faire encore de grandes choses afin que ce grand pays qui est la République démocratique du Congo puisse décoller, puisse encore aller de l'avant. Que la main de l'Éternel bénisse la République démocratique du Congo. Au fait, c'est mon pays d'origine, la République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous aimons et nous prions, comme disent les Américains, God bless DRC Congo. Que l'Éternel bénisse la République démocratique du Congo. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons parler parce que c'est la fin du mois. Le mois de juin prend fin. Et dans l'histoire de l'humanité, le 30 juin 2020 ne reviendra plus. Donc cela veut dire qu'il y a des choses aussi dans ta vie. Ces choses ne doivent plus revenir comme ces jours passent. Il y a des événements dans ta vie qui ne doivent plus reprendre, qui ne doivent plus figurer sur la liste de ta vie. Il y a des choses, ma soeur, mon frère, que Dieu doit changer.
La vie ne doit pas rester pareille, la vie ne doit pas rester la même. Mais Dieu doit entreprendre quelque chose pour ta vie, afin que son nom soit glorifié. Et je bénis grandement le Seigneur, le fait que tu t'es connecté, tu as bien fait, et tu feras encore mieux, comme maman Justine Combe le fait, de partager aussi la vidéo, comme maman Janine, de partager la vidéo pour que quelqu'un suive. Nous voulons parler, c'est comme une parenthèse entre notre message. Pendant que je revenais en conduisant, le Saint-Esprit a commencé à chuchoter quelque chose sur mon oreille. Il était en train de parler sur la réussite, comment réussir le moi. Alors, je me suis dit, bon, Seigneur, j'avais préparé notre message, mais tu permets que nous puissions parler de cela. Et comme j'aime bien écouter le Saint-Esprit et me recommander, laisser réellement le temps à l'Esprit de pouvoir guider toutes choses. C'est pourquoi ce soir, nous allons parler sur comment réussir ton mois de juillet, comment réussir ce mois. Et ça, c'est très important que chacun de nous comprenne comment quelqu'un, comment une sœur, comment un frère peut-il réussir le mois. Parce que le mois de juillet, c'est le septième mois. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Mais nous voulons que le Seigneur puisse accomplir quelque chose de bien dans notre vie. Que Dieu puisse faire quelque chose qui va marquer la différence durant ce mois de juillet. Alors, un mois s'arrête et un autre s'engage, ou je peux dire commence encore. C'est pourquoi c'est très important que nous puissions comprendre ces choses et que la parole de Dieu qui sera prêchée puisse réellement apporter la vie, puisse réellement bénir quelqu'un. Et je crois de tout mon cœur que Dieu qui est le Dieu vivant va te bénir, va transformer ta vie. Ce n'est pas par hasard que tu as laissé un peu des occupations que tu avais pour te connecter afin de suivre cette parole. Et je vous dis la vérité, cette parole va réellement te révolter. Moi, j'aime révolter les gens, non pas par des armes, mais par la parole. J'aime bien que les gens soient réellement dans la parole et que la parole de Dieu puisse réellement apporter encore un plus dans leur vie. Et c'est cela, bien-aimé. Moi, le Seigneur m'a parlé. Moi, le Seigneur m'a appelé pour présenter seulement Jésus-Christ. Pour présenter Jésus. Aujourd'hui, pendant que je revenais, j'ai eu un appel d'un prophète qui m'appelle. Et il me dit, « Révérend, je veux simplement te dire, Dieu m'a parlé par rapport à ton ministère, par rapport à ta vie. Il veut simplement te dire, garde ton message. Reste fidèle au message qu'il t'a donné. » Et le message qu'il m'a donné, c'est de présenter Jésus-Christ aux nations, ramener les cœurs de son peuple, ramener les gens vers Jésus, afin de préparer pour l'enlèvement. Non pas seulement pour le mariage, non pas pour les bénédictions terrestres, mais pour la vie éternelle. C'est pourquoi toi qui es en train de m'écouter, ou tu vas me suivre en différé, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, voici le moment propice pour dire, Seigneur, me voici, je viens auprès de toi. Je recommande ma vie. J'étais en dehors de ta volonté. Jésus-Christ est mort pour moi, pour mes péchés. Et je suis purifié par le sang de Jésus. Mes péchés sont lavés. Saint-Esprit de Dieu habite maintenant moi. Au nom de Jésus, je le reçois, je l'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Voilà, bien-aimé, si tu as fait cette prière avec moi, que le nom de l'Éternel soit béni. Parce que la Bible dit au ciel, il n'y a pas une fête lorsque quelqu'un se marie, mais au ciel, il y a une fête lorsque une seule âme se répand. Et nous bénissons l'Éternel pour votre vie. Si vous avez donné la vie au Seigneur, gloire à Dieu. N'hésitez pas après de pouvoir nous appeler. Si vous êtes à Birmingham, nous sommes ici en Angleterre. Si vous êtes à Paris ou si vous êtes quelque part, nous pouvons aussi vous orienter dans de bonnes églises afin que vous puissiez croître dans la vie du Seigneur. Gloire à l'Éternel. Alors, sans plus tarder, nous avons deux textes de la Bible. Josué, chapitre 1er, le verset 8e, ça nous le connaissons. Josué, chapitre 1er, le verset 8e.
Et nous allons lire aussi Daniel chapitre 1er, versets 8 à 15. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Et que Dieu bénisse aussi tous mes enfants de l'église évangélique à Marche, que vous soyez à Paris, que vous soyez ici à Birmingham, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les frères et sœurs de la Guadeloupe, de la France, de la République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Josué chapitre 1er. Le verset 8, et nous allons lire aussi Daniel chapitre 1er, verset 8 à 15. Merci beaucoup Sabrina. Donc, Josué chapitre 1er, verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors, Daniel chapitre 1er, Daniel chapitre 1er, je crois que la connexion elle est bonne. Daniel gloire à Dieu. Donc Daniel chapitre 1er, verset 8 à 15. La Bible dit ceci dans Daniel chapitre 1er, verset 8 à 15. La Bible dit, Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par les vins dont le roi buvait. Et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Les chefs des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui les chefs des eunuques avaient remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Verset 13. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et il les éprouva pendant 10 jours. Verset 15. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Voilà, bien aimé, les 2 textes de la Bible que nous allons exploiter. Et ces textes vont nous permettre, ce sont des textes à cheval entre le 30 juin et le 1er juillet. Alors, c'est à cheval, c'est ces textes qui vont nous permettre de pouvoir entrer dans le mois de juillet d'une manière différente. Bien aimé dans le Seigneur, peut-être que tu as eu à écouter aussi cette parole. Peut-être que les gens t'ont déjà dit cela. Mais tu penses et tu te dis, ça peut être peut-être la routine ou les mêmes choses. Moi, je crois qu'avec Dieu, c'est un Dieu qui nous surprend tous les jours. C'est un Dieu qui peut te surprendre demain. C'est un Dieu qui peut te surprendre après-demain. C'est pourquoi c'est très important de ne pas voir, de ne pas croire que tout est monotone avec Dieu. Dieu peut se saisir de la fin de mois pour bouleverser totalement ta vie. Dieu peut se servir de ses serments pour bouleverser totalement ta vie. Dieu peut se servir de ta foi pour bouleverser réellement le mois de juillet. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis grandement Dieu pour ta vie. Pourquoi? Parce que malgré la pandémie, malgré il y avait une peur, il y avait une psychose, bien-aimé dans le Seigneur. Durant le mois de février, mars, quand on a parlé de ces choses, bien-aimé, nous sommes tous rétractés dans les maisons parce que c'est ce que le gouvernement nous exigeait à faire, de rester dans nos maisons. Pendant qu'ils n'avaient point de solution, mais ils nous ont dit, on doit rester confiné, bien-aimé. Si nous regardons jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont produit comme
qu'est-ce que je veux dire, solution magique, il n'y en a pas, sauf que reste seulement à la maison, lave les mains, préserve-toi, blablabla, tout ça. Mais Dieu, par sa faveur, Dieu, par sa grâce, il t'a protégé, il t'a gardé. Il a fait en sorte que tu puisses quand même arriver jusqu'au 30 juin. Que le nom du Seigneur soit béni. Lui qui est merveilleux, lui qui peut faire cela, lui qui peut accorder cela, ce n'est que lui. Si tu es là, si tu es vivant, c'est parce que Dieu t'aime. C'est parce que Dieu t'a protégé. C'est parce que Dieu t'a gardé. C'est une grâce venant de sa part. Et si tu es là même chez toi, à la maison, tu peux même acclamer le Seigneur pour lui dire, Seigneur, merci parce que malgré les situations, malgré les difficultés, tu m'as gardé. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es, chez toi, à la maison. Tu acclames le Seigneur, tu lui dis merci parce que c'est une forme de reconnaissance que nous voulons donner à notre Dieu pour lui dire, Seigneur, merci. Merci de ce que tu as accompli dans notre vie. Merci de ce que tu as fait dans notre vie. Que l'honneur lui soit rendu à lui seul. Il est le Dieu qui est vivant. Il est le Dieu qui est puissant. Il n'a pas changé notre Dieu. Alors, notre texte de la Bible dit que ce livre de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Mais une question qu'on se pose, pourquoi la Bible dit que ce livre de la loi, normalement, un livre ne doit pas s'éloigner des yeux parce qu'on lit avec des yeux, mais on ne lit pas avec la bouche. Mais la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Cela veut dire que ce que tes yeux sont en train de voir, tu dois remuer cela, tu dois balbutier, tu dois faire remonter cela. Quand ça entre en toi, tu dois faire remonter cela afin que ça devienne une vérité pour toi, que ça devienne une réalité pour toi. Et la Bible, ce n'est pas moi, mais c'est la Bible qui nous dit, si nous faisons ainsi, nous aurons du succès. Alors, bien-aimés, lorsque nous parlons du succès, qu'est-ce que cela veut dire, le succès? C'est ça c'est ce qui est le plus important. Qu'est-ce que cela veut dire, avoir du succès? Parce que des fois, les gens, quand on voit, on pense qu'avoir le succès, c'est comme être un musicien du monde ou faire quelque chose qui doit t'apporter, je ne sais pas moi, une satisfaction, donner tout ça. Non, en réalité, quand on parle du succès, on veut simplement dire avoir un résultat heureux. Le succès veut dire avoir un résultat heureux. Le succès veut dire atteindre son but. Le succès veut dire triompher ou percer. Donc, je réponds calmement. Réussir, quand on dit le verbe réussir, veut simplement dire avoir un résultat heureux. C'est très important, avoir un résultat heureux. Quand on dit avoir un résultat heureux, cela sous-entend que tu étais en train d'entreprendre quelque chose et qu'arrivé à un certain point, tu veux maintenant avoir la rétribution. Et ça, c'est très important que chacun de nous puisse comprendre cela. Avoir le succès, c'est réussir. Réussir veut dire avoir un résultat heureux. Réussir veut dire atteindre son but. Réussir veut dire triompher ou percer. Réussir veut dire encore arriver en haut de l'échelle. Cela veut dire graver des échelons, avoir une position élevée. Réussir, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est apprendre à connaître la volonté de Dieu et s'y conformer. Quand quelqu'un apprend à connaître la volonté de Dieu et s'y confirme, c'est en ce moment-là qu'il commence maintenant à réussir. Parce qu'au fait, la réussite n'est pas attachée seulement à ce que nous faisons, mais c'est attaché aussi à la volonté de Dieu. Je vous ai dit la fois dernière, il y a une différence entre la volonté directive et la volonté permissive. L'exemple de Balaam. Balaam, un prophète de Dieu, mais quelque chose s'est passé dans sa vie. Le roi envoie Balak, le roi Balak envoie les gens pour lui dire, viens, nous savons que ce que toi tu dis, ça ne rate pas. Tu peux maudire ce peuple parce que nous avons appris que sur leur passage, ce peuple est en train de dévorer, est en train de tuer, est en train de prendre tout. Viens, maudis-le. Il va consulter l'Éternel.
L'Éternel lui dit, tu ne peux pas faire ça, parce que ce peuple-là est béni. Il a renvoyé les serviteurs. Mais ces serviteurs-là sont revenus encore pour la deuxième fois avec beaucoup plus de présents. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à comprendre, à marcher avec Dieu. Dieu n'est pas un garçon de course pour nous. Mais Dieu veut réellement nous bénir. Mais il ne veut pas que nous puissions l'imposer ce qu'il doit faire. Est-ce que vous comprenez? Alors c'est très important de se rendre compte de ces faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé encore. Balak a envoyé encore d'autres serviteurs avec beaucoup plus de présents. Balaam a bien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Gloire soit rendue à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas si la connexion elle est bonne. Je ne sais pas si elle frise ou comment. Servant de Dieu, Marie, est-ce que la connexion elle est bonne? Quelqu'un peut me faire signe si la connexion est bonne? Stéphie, Maman Lolo, Maman Janine, est-ce que la connexion elle est bonne? Gloire à Jésus. Je crois que la connexion elle est bonne. Hein? Oh. Quelqu'un peut se manifester pour me faire signe si la connexion elle est bonne? Si vous me suivez, si la connexion elle est bonne. Gloire soit rendue à l'Éternel. Donc je pense que la connexion, il n'y a pas de problème avec la connexion, je pense. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors nous allons avancer. Donc, je ne sais pas, parce que les gens ne se manifestent pas. Je veux seulement juste... Oui, ah ouais. Ça coupe de temps en temps. La sœur Vénice dit 5 sur 5. Ok. Je ne sais pas si c'est dû à quoi. Ah, Manuel dit ça coupe aussi. J'ai remarqué que c'est... Ok. Des fois, quand ça frise de temps en temps, ce que vous devez faire, c'est de mettre un peu le... De mon côté, pas trop bon. Ok. Si à un moment donné, ça frise, ce que vous devez faire, c'est d'essayer un peu de mettre des cœurs et des likes. Comme ça essaie un peu de booster encore. Mais je pense que là, vous me suivez bien, je pense. À Paris, tout va bien. Ok. Pas tellement. Oh là là. Ouais, parce qu'avec le temps actuel, il y a les gens qui sont en train d'utiliser trop de l'Internet, mais je ne sais pas. Ok, nous allons avancer par la grâce de Dieu. Si ça frise un moment, vous mettez seulement des cœurs et des likes, de temps en temps, ça peut booster. Gloire soit rendue à l'Éternel. Et donc, j'étais en train de dire que c'est important que nous puissions comprendre cette réalité, que j'étais en train de... Oh, pas trop. Oh là là. Et pourtant, généralement, la connexion, elle a toujours été bonne. Donc, j'ai essayé un peu d'éteindre un peu tout. Gloire à Dieu. Ok, nous allons continuer. Nous croyons que Dieu va nous accorder, nous faire grâce. Parce que cette parole vraiment pince mon cœur à telle enseigne que quand ça frise comme ça, ça ne m'arrange pas trop. Ça ne m'arrange pas trop. Oh, Jésus-Christ Nazareth. Jésus-Christ Nazareth. Je pense que chemin faisant, Dieu va nous accorder la grâce de pouvoir continuer. Gloire à Dieu. Alors, j'étais en train de parler sur réussir en disant que réussir, c'est avoir un résultat heureux. Décaïoc, essaie de me faire signe si c'est toi, ça marche aussi maintenant. Gloire à Dieu. Sœur Hélène, essaie de me faire signe si ça marche maintenant. Sœur Daniela, est-ce que chez toi, en Guadeloupe, là, ça marche bien? Gloire à Dieu. Alors, comment réussir ton moi?
C'est très important parce que j'étais en train de parler dans Josué chapitre 1er, le verset 8e. Là, ça nous parle en disant que le Seigneur est en train de parler que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Pourquoi? Parce que quand tu médites cela, tu deviens, comment je peux dire, attaché à la parole. Et j'ai dit en entrant comme quoi que réussir, c'est avoir un résultat heureux. Et je crois fermement que durant ces mois de juillet que nous allons commencer, quelqu'un parmi nous aura un résultat heureux. C'est-à-dire les choses que tu n'arrivais pas à avoir auparavant, l'Éternel des armées va te l'accorder. L'Éternel Dieu Tout-Puissant va changer certaines choses dans notre vie. Car il est le Dieu qui n'a jamais changé. Merci beaucoup, merci beaucoup ma fille. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alors, c'est très important que nous puissions comprendre cela. Réussir veut dire atteindre un but. Ce mois de juillet, je veux que quelqu'un puisse atteindre réellement les buts, puisse atteindre vraiment l'objectif dont il s'était assigné. Depuis le temps passé, ça n'a pas pu se réaliser. Mais moi, je crois que Dieu a la capacité de pouvoir faire quelque chose dans ta vie. Dieu a la capacité de pouvoir amener à l'existence les choses qui n'existaient pas. Ce n'est pas une parole de flatterie, mais c'est une parole qui est réelle. Ce n'est pas une parole qui vient seulement pour réconforter les gens, mais c'est une parole qui est là réellement pour te faire du bien. Et je crois de tout mon cœur que Dieu réellement va te faire du bien. Je crois réellement de tout mon cœur que l'Éternel va encore provoquer certaines circonstances dans ta vie durant ce mois de juillet qui va commencer. Réussir veut dire encore percer. Nous voulons que quelqu'un, durant ce mois, puisse percer. Quand on dit percer, cela veut dire transpercer ce qui était impossible. Les choses qui étaient impossibles pour toi, Dieu est capable de pouvoir changer des choses. Dieu est capable de pouvoir opérer certains miracles dans ta vie. Vous voyez, et c'est très important. C'est pourquoi Dieu dit, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu vas percer. Tous les mois ne sont pas pareils. Il y a des mois qui sont différents. Il y a des mois que l'Éternel peut se saisir pour transformer ta vie. Et je crois de tout mon cœur que ce mois de juillet, l'Éternel va étendre sa main et il va opérer encore de grandes choses dans ta vie. Quand on parle de réussir, réussir veut dire apprendre à connaître la volonté de Dieu. J'étais en train de parler, avant que je ne m'arrête, j'étais en train de parler sur Balaam et Balak. Quand Balak a envoyé ses serviteurs pour la première fois chez Balaam, Balaam est allé consulter l'Éternel et l'Éternel lui a dit, ne pars pas parce que ce peuple est béni. Balak va encore renvoyer encore ses serviteurs avec beaucoup plus de présents. Balaam va faire encore une bonne chose, va encore consulter l'Éternel. La Bible dit que la nuit, l'Éternel vient apparaître à Balaam pour lui dire, tu vas aller et tu feras ce que moi je vais te dire. Mais ce qu'il ne savait pas, il n'était pas dans la direction, mais il était dans la permission. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel se plaça devant de lui avec l'épée à nu pour le tuer. C'est la naisse, c'est la deuxième fois qu'une bête va parler. La première fois, c'était le serpent qui a parlé au jardin d'Éden. Et la deuxième fois, c'est maintenant dans l'histoire de Balaam et de Balak. Et la Bible me dit, et la Bible nous dit que Balaam a frappé la naisse. Parce que vous savez que la naisse, généralement, est têtue. Elle a frappé la naisse jusqu'à ce que la naisse a ouvert la bouche pour parler. Est-ce que je ne suis pas, je suis pas fidèle à toi? Il dit si. Mais il dit, mais pourquoi tu m'as frappé? Et pendant que la naisse parlait, la Bible dit que Dieu a ouvert les yeux de Balaam. Et Balaam a vu l'ange de l'Éternel qui voulait lui faire du mal. Mais Dieu l'a épargné. Et Dieu lui dira que va, je mettrai des paroles en toi. Mais vous savez une chose, Dieu l'avait dit. Dieu lui a dit de se réveiller, de partir. Mais ce que lui n'avait pas compris, ce n'était pas la direction, mais c'était la permission. Et je veux que durant ce mois de juillet, que personne ne marche sous la permission de Dieu. Que chacun de nous cherche la volonté de Dieu. Parce qu'en cherchant la volonté de Dieu, c'est alors que nous allons réussir. Réussir, c'est chercher la volonté de Dieu et s'y conformer, s'y attacher. Faire en sorte que la volonté de Dieu soit réellement, réellement notre partage. Et ça, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Et dans l'autre passage, on est en train de parler dans Daniel chapitre 1er, 8 à 15, on nous parle de ces trois jeunes Hébreux qui ont été enlevés.
qui ont été déportés, qui sont allés à cause de leur beauté, à cause de leur classe sociale. Ma soeur, mon frère, je veux te dire, il y a des choses dans la vie qui pourront amener beaucoup de problèmes. Ta position sociale peut être un atout pour que le diable t'attaque. Ta beauté physique peut être un atout pour que le diable t'attaque. La position dans la société que tu occupes peut être un atout pour que le diable t'attaque. Laisse-moi te dire, le diable ne perd pas son temps. Le diable attaque seulement les gens. Il sait qu'avec ces gens-là, Dieu peut faire quelque chose. C'est pourquoi tu te poses des questions. Pourquoi j'ai des attaques? Pourquoi il y a ceci? Parce que, bien aimé, Dieu a quelque chose d'extraordinaire à faire avec toi. Dis avec moi, amen, et je vais commencer encore à avancer. Et la Bible dit, ces jeunes hommes, qu'est-ce qu'ils ont? Quel était le péché? La seule chose, c'était quoi? Parce qu'ils étaient beaux. Ils étaient intelligents. C'est alors que le roi a fait une sélection. Bien-aimés, pour les amener, et ils étaient en captivité. Et normalement, avant de se présenter devant le roi, on les donne une certaine manière de s'habiller, de se laver et de manger. Et la viande qu'ils devaient manger, c'était une viande qui était sacrifiée aux idoles. Cela veut dire que le roi servait d'abord, donnait d'abord cette viande aux idoles, servait après quoi les gens venaient manger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quant à eux, ils ont dit, nous n'allons pas nous compromettre. Nous ne voulons pas manger parce que nous avons notre culture. Bien-aimés, ils n'étaient pas au nombre de trois. Il y avait beaucoup de jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes qui ont été déportés. Mais seulement trois. La Bible parle seulement de trois. Je vais dire à quelqu'un, dans ce mois qui commence, Dieu va te sélectionner. Peu importe le nombre de gens qui sont là, peu importe le nombre de gens, mais Dieu va sélectionner quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est toi. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais parler à quelqu'un. Je veux que réellement que tu te révoltes de quelque chose, que ce mois de juillet ne se termine pas sans qu'il ait enfanté quelque chose pour ta vie, sans que ce mois puisse enfanter quelque chose pour ta vie. Je crois que Dieu est le Dieu vivant. Dieu est le Dieu puissant. Il n'a jamais changé notre Dieu. Il n'a jamais changé notre Dieu. La Bible l'appelle Éternel des armées. En d'autres termes, il est capable de faire tout. Il est capable de changer de situation. Moi, j'aime bien quand je prêche, la parole me fait du bien comme ça. Je pense fermement de tout mon cœur que cette parole est en train de faire du bien aussi à quelqu'un. Que cette parole est en train de transformer encore la vie de quelqu'un. C'est le mois de juillet, bien-aimé. C'est un mois de renversement. C'est un mois de renversement. Quand je parle de renversement, je veux dire que tout ce qui était lourd, tout ce qui était compliqué, c'est moi. Ah, bien-aimé, ça va tomber. Parce que Dieu nous donne des stratégies. Comment faire pour réussir ces mois? Pour réussir. Daniel, Shadrach, Meshach, Nego, ils ont refusé. Ils ont dit, malgré que la nourriture, elle est bonne, mais nous savons une chose. Nous ne voulons pas nous compromettre. Nous ne voulons pas nous compromettre. Mais nous voulons simplement que tu puisses nous donner des légumes. Mais donne-nous seulement 10 jours. Donne-nous seulement 10 jours. Et après 10 jours, tu verras ce qui va se passer. Après 10 jours, tu verras ce qui va se passer. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est le Dieu des défis. Oh, je me sens réellement dans ma peau. Je veux dire, Dieu est le Dieu des défis. Dieu est le Dieu qui relève des défis. Peu importe les bien-aimés, les défis que la société a lancés, peu importe, bien-aimés, les 6 mois sont passés. Tu n'es pas mort. Cela veut dire que le 7e mois, nous allons l'attaquer autrement. Nous allons l'attaquer autrement. Parce que ce que les hommes ont fait, bien-aimés, ça a échoué, ça n'a pas réussi pour te stopper. Cela veut dire que toi aussi, tu vas faire maintenant des choses pour que ta vie aille de l'avant. Mambro se karabake. Bien-aimé, on va prier aujourd'hui aussi. On va prier. Bien-aimé, Dieu va répandre réellement une grâce. Et je sens, bien-aimé, je sais comment Dieu me conduit, comment Dieu marche avec moi. Depuis le matin, mon esprit était dans une joie, non pas parce que j'ai eu quelque chose, mais une joie abondante, une joie. Pendant que je conduisais, j'étais en train de parler en langue. Pendant que je conduisais, j'avais la joie. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'avais la joie dans mon cœur de célébrer le nom de l'Éternel. De célébrer le nom de l'Éternel. Bien-aimé, Dieu, dans les temps, il envoie tous ses serviteurs. Il envoie toujours des voix. Et je crois que ce soir, je suis une voix que l'Éternel s'est choisie pour te parler, pour te dire quelque chose qui va amener un bouleversement dans ta vie, pour te dire quelque chose qui va révolutionner ta vie. Il est le Dieu qui est vivant. Il est le Dieu qui est réel. Il est le Dieu qui est puissant.
notre Dieu, comment réussir ce mois de juillet? Comment réussir ce mois de juillet? Oh, je vais rapidement, bien aimé, avancer pour dire, Dieu est un Dieu de principes. Dieu est un Dieu de principes. Quand il marche, il pose, il met des principes. Non pas pour que les gens s'ennuient, mais pour que les gens soient bénis. Et nous sommes au septième mois déjà, parce que nous sommes déjà les 30. Il reste encore quelques heures pour que le mois de juin se termine. Je ne sais pas, bien aimé, ce que le mois de juin a apporté. Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre qui apporte, c'est le chiffre de l'homme. Ça a amené beaucoup d'histoires, ça a amené beaucoup de problèmes dans ta vie. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il t'a protégé. Il a fait en sorte que tu arrives jusqu'au 30. Et pourtant la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Pourquoi la fin que le commencement? Parce que la fin donne naissance à la vie. La fin donne naissance à la journée. La fin donne naissance au début. C'est pourquoi quand Dieu a créé, la Bible dit, il y a eu une nuit et il y a eu un matin. Cela veut dire qu'il y a toujours des ténèbres qui précèdent. Il y a toujours les moins bons qui arrivent. Mais rassure-toi, les moins bons se transformeront en bons. Parce que Dieu voulait d'abord voir. Dieu voulait d'abord tester. Dieu voulait d'abord voir. Mais comme tu es fidèle, il te dit maintenant, mois de juillet, un mois de renversement, un mois de bouleversement, que ça soit dans la société, que ce soit partout où tu travailles, il y aura un bouleversement, il y aura un shift, même au niveau de ton ventre, même au niveau de ta santé, il y aura un shift, il y aura une transformation, car l'Éternel des armées qui parle n'a pas changé, bien-aimé. Bien-aimé, pour réussir le mois de juillet, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, pour réussir, tu dois mettre Dieu en première position. La Bible dit, au commencement Dieu, au commencement n'était pas ton problème, au commencement n'était pas ta situation, mais au commencement c'était Dieu. Mets Dieu en première position. Pourquoi mettre Dieu en première position? Parce que il est la source. Il est la source de toutes choses. Notre Dieu est la source. C'est pourquoi nous mettons Dieu. Tu dois mettre Dieu en première position. En réalité, ma soeur, mon frère, tu es ce qu'est ta source. Vous comprenez? Tu es ce qu'est ta source. Ta réussite dépend de la source à laquelle tu es attaché. Je reprends. Ta réussite dépend de la source à laquelle tu es attaché. Tu ne peux pas détacher un poisson de l'eau. Parce que le poisson est aquatique. Si tu enlèves le poisson dans l'eau, le poisson va mourir. Mais si tu prends un animal qui vit, tu le places dans l'eau, il va mourir. Pourquoi? Parce que chacun de nous vit par rapport à sa source. Bien-aimé, si Dieu est ta source, attache-toi à Dieu. Mets Dieu en première position. Si Dieu est ta source, attache-toi à lui. Parce que nous sommes les fruits de notre source. Quand quelqu'un te regarde, il regarde, il dit, ça c'est le visage de son père. Quand quelqu'un me regarde, quand j'ai grandi, les gens disaient, il a la figure de sa maman. Mais quand j'ai grandi, les gens disent, il a maintenant la figure de son papa. Pourquoi? Parce que c'est ma source. Eh bien, mais nous sommes les fruits de notre source. Si tu crois à la réussite, attache-toi à la source. Parce qu'il dit, si tu médites, si tu t'attaches, si tu te raccordes à la parole, cette parole sera comme ta source. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien aimé, est-ce que tu peux encore inviter quelqu'un d'autre? Est-ce que tu peux inviter au moins 5 personnes, leur dire d'entrer, de pouvoir écouter encore la parole? Car la Bible dit qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il nous dit, tu es ce qu'est ta source. Bien-aimé, tu es ce qu'est ta source. Ta réussite dépend de la source à laquelle tu es attaché. Ta réussite dépend. Si tu dépends des hommes, bien-aimé, tu auras la réussite des hommes. Mais si tu dépends de Dieu, bien-aimé, la différence sera, c'est moi-ci, bien-aimé, je voudrais que, bien-aimé dans le Seigneur, que avant que le 31 juillet n'arrive,
Or, que quelqu'un puisse voir des bouleversements dans sa vie. Si tu attendais un enfant, Dieu est la source de ma vie. Dieu est la source de notre vie. Dieu est la source de notre vie. Dieu est la source là où nous puissons les enfants. Dieu est la source de la bonne santé. Toi qui vis... Oh, darate bosseta rabale. Oh, mambro seka labakete lebo rabaka. Yendelebe. La source. The source. En d'autres termes, l'Iziba. Ça, j'aime bien. La source, Dieu est la source. Quand tu t'attaches à la source. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, en passant encore, je salue encore tous les bien-aimés de la République démocratique du Congo pour votre 60e anniversaire. Et ne quittez pas juste à la fin, je vais balancer un cantique pour vous souhaiter joyeux anniversaire d'indépendance. Et c'est très important de comprendre cette réalité. Il y a une rivière, un fleuve qu'on appelle le fleuve Congo. Le fleuve Congo, c'est parmi les fleuves où on tire, il y a le plus, parmi les grands barrages d'électricité dans le monde. Mais en réalité, les gens voient toujours là où c'est fort, là où c'est puissant. Mais ils ne connaissent pas la source. La source de cette rivière, de ces fleuves-là, se situe un peu à l'est. Non, je vais dire à l'ouest. Moi, je vais dire oui. Non, au nord. Voilà, au nord. Eh bien, lorsqu'on vous présente la source, vous n'aurez pas d'idée que cette source peut faire en sorte qu'il y ait de l'électricité. Cela veut dire Dieu ne s'invente pas. Dieu ne fait pas quoi que ce soit. Mais lorsque tu t'attaches à lui, bien, mais les gens vont croire que tu es faible. Les gens vont croire que tu n'as pas la capacité. Les gens vont croire que tu es faible. Mais laisse-moi te dire, de cette faiblesse-là, l'électricité va être produite. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Bien-aimé, si ça frise encore, bien-aimé, mettez-moi les likes là pour m'aider un peu à pouvoir avancer. C'est très important. La source. Les gens se réjouissent de la rivière. Les gens sont contents de la rivière. Les gens voient la rivière. Les gens voient le fleuve Congo. Les gens sont en train de voir. Mais ceux qui ne connaissent pas la source du fleuve Congo, ne s'agite pas. La source du fleuve Congo n'est pas monstrueuse. Mais je veux dire à quelqu'un, lorsque tu t'attaches à Dieu, les gens ne verront pas Dieu, mais ils te verront. Mais ceux qui ne savent pas, la nuit, toi, tu cherches Dieu. La journée, toi, tu cherches Dieu. Pendant qu'ils se posent des questions, oh, mambro, c'est Karabakin. Yenderebo. Pendant qu'ils se posent des questions, ils ne savent pas que la source, bien aimé, il y a différentes sources. Hein. Il y a des sources tarissables, il y a des sources intarissables. Mais notre Dieu, notre Dieu, la Bible dit qu'il est la source intarissable. En d'autres termes, celui qui s'attache à Dieu ne connaîtra pas de panne sèche. Waouh, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Celui qui s'attache à Dieu ne connaîtra jamais de panne sèche dans sa vie. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Non, je sens c'est comme si je suis en train de parler à quelqu'un. J'ai dit ceci. Celui qui s'attache à Dieu ne connaîtra pas de panne sèche. Oh, mighty God, mighty God, mighty God. God, we need your help, Lord. We need your help, Father. We need your help, Father. We need your help, Father. In Jesus' mighty name, I release the fire of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name. Father, Lord, may this broadcast, Father Lord, in Jesus' mighty name. Dieu est le Dieu puissant. 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 Mambro se karabake. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Même si le diable ne veut pas. Mais j'ai envie de parler. Oh, la connexion. La connexion. La connexion. Que tu te rétablisses maintenant. Mambro se karabayende. Kenderebo. Alléluia. 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 Dieu est le Dieu puissant, bien-aimé. Dieu est la source. Les gens te voient, mais ils ne savent pas. Bien-aimé, la qualité de ta vie dépend de la qualité de ta source. Non, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La qualité de ta vie dépend de la qualité de ta source. Bien-aimé, il y a des poissons qui ne sont pas bons à manger simplement parce que la source n'est pas bonne. Merci beaucoup, Manuel. Parce que la source n'est pas bonne. Oh, mambro, c'est arabaké. Oh, il est le Dieu vivant.
Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Makarenda basheta rabake. Yendere boshite rebe kalabashete. Seigneur, mon Dieu de gloire. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Makarande boshita rabake. Yendere boshite rebege. Yendere boshite rebege. Permettez qu'on la bachette les bégués. Je ne sais pas si je dois couper le wifi. Oh, alléluia. Je ne sais pas si je dois couper le wifi ou comment, je ne sais pas. Qu'on la bachette les bégués. De peur que si je fais quelque chose, je risque de tout couper. Yondara bachette la bachette les bo santa la bayende. Kende les bo chite les bégués. Kende les bo chite les bégués. Je vais essayer un peu de voir si ça peut marcher. Gloire soit rendue à l'Éternel. Ah, je crois maintenant ça va aller. C'était une erreur. Voilà, maintenant ça va aller. Gloire à Dieu, ça va plus bloquer maintenant. Gloire soit rendue à l'Éternel. Bien aimé, c'est très important dans la vie. Ah là, ça marche bien. Gloire à Dieu. Nous pouvons maintenant encore démarrer. Je disais ceci. La qualité de ta vie dépend de la qualité de ta source. La qualité de ta vie dépend de la qualité de ta source. Vous allez voir, bien aimé, vous pouvez planter des légumes. La terre là n'est pas bonne. Ça va produire des légumes. Mais les légumes n'auront pas un goût approprié. Mais lorsque c'est un terrain qui est favorable, vous allez constater la différence. Même la qualité sera différente. La qualité sera différente. Je veux dire à quelqu'un, nous sommes les fruits de notre source. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Nous sommes les fruits de notre source. La source à laquelle tu es attaché déterminera les fruits que tu vas porter. Mambro seta. Et lorsque nous attachons à Dieu, lorsque nous attachons à Dieu, nous sommes de bio. Est-ce que je peux dire à quelqu'un que tu es un bio? Est-ce que je peux dire à quelqu'un que tu es organique? On ne t'a pas mélangé avec quoi que ce soit, mais tu es naturel. Parce que la source à laquelle tu es attaché, la source à laquelle tu es attaché, c'est une source différente. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, tu dois apprendre à comprendre que Dieu est la source de ma vie. Dieu est la source de ma vie. Lorsque tu t'attaches à Dieu, la différence sera ton partage. C'est pourquoi mets Dieu en première position. N'abandonne pas Dieu. Ne lâche pas la prise. Ne laisse pas les autres, bien-aimés. Attache-toi à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que ce mois de juillet, que tu sois ma source. Que tu sois ma source. Que tu sois le Dieu de mon salut. Oh, mambro sakalaba. Yekolobo cheterebo yande. Kenderebo shatarabage. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu puissant. Makaramande boshete. Dieu est l'auteur de ma source. Bien-aimé, tu dois être, Dieu doit être au premier plan. Ce mois-ci, Dieu doit être au premier plan. Dans tout ce que tu fais, que Dieu soit au premier plan. Dans tout ce que tu entreprends, Dieu soit au premier plan. Manuel, je crois maintenant que c'est bon. Hein? Dieu soit au premier plan. Maman Thérèse, je crois maintenant que c'est bon, ça ne bloque plus. Dieu doit être au premier plan. Quand on dit mettre Dieu au premier plan, cela veut dire attache-toi. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Ma soeur, mon frère, attachons-nous à Dieu. Restons collés à Dieu. Que ce soit la journée, que ce soit la nuit, attache-toi à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je ne t'abandonne pas. Si tu veux avoir de bons fruits, attache-toi à Dieu. Parce que la qualité, je reprends encore, la qualité de ta vie dépend de la qualité de la source. La qualité des produits dépend de la qualité du sol. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, excusez-moi de donner ce témoignage. J'ai eu à manger la viande. Vous savez, ici même en Angleterre, je n'aime plus manger la viande. Mais quand je me suis rendu en Guadeloupe, frères et sœurs, j'ai vu une vache qu'on a, c'est-à-dire qu'on venait à peine de couper. Frères et sœurs, j'ai testé, j'ai pris la viande, j'ai mangé. J'ai dit, Seigneur, toi tu es le Dieu qui a créé la viande. Pourquoi? Parce que là, c'est bio. Là, c'est organique. Vous allez voir, bien-aimé, quand tu es là en Guadeloupe, tu vas voir combien de vaches sont en train de manger librement. Manger librement. Pourquoi?
Il ne cherche pas de produits, des engrais pour qu'il... Non, il mange. Et quand tu t'attaches à Dieu, ma soeur, mon frère, lorsque tu es soudé à Dieu, bien-aimé, comme la connexion est bonne, est-ce que tu peux partager encore auprès de quelqu'un? Invite encore quelqu'un, tu lui dis, viens un peu écouter. Dieu veut que tu sois la source, qu'il soit ta source, que tu t'attaches à lui. Et lorsque tu es attaché à lui, lorsque tu es attaché à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura des choses qui ne peuvent jamais arriver. Parce que ta source, c'est une source intarissable. Il y a des gens qui se sont attachés aux hommes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces hommes les ont abandonnés. Et la source était finie. Lorsque quelqu'un était la source financière, mais lorsqu'on le chasse du travail, lorsque cette personne est chassée du travail, tout est bloqué. Mais Dieu, il n'y a personne qui peut le chasser. Dieu, il n'y a personne qui peut l'engager. C'est pourquoi lorsqu'il est ta source, ma soeur, mon frère, il y a des miracles qui se... Oh, je parle, bien-aimé. C'est mois de juillet, Mambro Sekalaba. C'est mois de juillet, bien-aimé. Nous n'allons pas entrer dans la simplicité, mais nous allons entrer avec des tonnerres. Parce que la Bible dit, porte et levez vos lenteurs, car l'Éternel veut faire son entrée. Dieu des armées, bien-aimé, c'est moi-ci. Ça sera un mois inoubliable. Ce mois-ci sera un mois que tu vas mettre dans ton calendrier. N'attends pas que je dise les paroles de l'Éternel. Mais si tu crois seulement, tu dis Alléluia, Amen, et tu reçois cela. Oh, oh, ma. Je sens déjà que je commence à décoller maintenant. Je sens déjà que je commence à décoller. Je sens réellement que je commence encore à avancer. Si quelqu'un me dit Amen, je vais encore avancer. Si quelqu'un me donne encore ce cœur là, je vais avancer. Mandereboshete, j'ai besoin un peu de vos cœurs là pour m'encourager. J'ai besoin encore de vos cœurs là pour m'encourager, car Dieu est ma source. L'Éternel est ma source. L'Éternel est ta source. Non, je parle à quelqu'un. L'Éternel est ta source. Tu ne craindras rien du tout. Rien du tout. Parce que pendant que les autres sont en train de chercher des engrais pour devenir, pour paraître, mais toi avec la source qui est Dieu, tu ne forceras pas. Rien ne sert de paraître, mais il faut être. Mais quand tu as ta source, oh, alléluia. Quand tu as ta source qui est Dieu, quand tu as ta source qui est Dieu, oui, je vais avancer. Quand quelqu'un me dit j'avance, ça provoque encore mon onction pour avancer, pour que ce mois de juillet reconnaisse qu'il y a un Dieu qui marche avec son peuple, qu'il y a un Dieu qui change les circonstances des gens. Dieu est ma source. Dieu est ta source. Dieu est ma source. Dieu est ma source. Gloire soit rendue à l'Éternel. Bien-aimé, mettons Dieu au premier plan. Mets Dieu dans tout ce que tu fais, dans tes business, dans tes affaires. Mets Dieu en première position. Ne sois pas radin, ne sois pas ceci, mais mets Dieu en première position. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. Mets Dieu en première position. Mets Dieu en première position, car il est le Dieu puissant. Il est le Dieu vivant. Mets Dieu en première position, parce qu'il est ta source. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant nous avons des voitures électriques. Tu vas remarquer avec la voiture électrique, ça doit arriver quelque part, surtout des voitures comme des Tesla. Il y a des stations appropriées et on te dit après autant de mètres ou autant de kilomètres, il y a la source de Tesla, tu viendras, tu vas te connecter. Et lorsque c'est rechargé, les voitures Tesla, ça peut encore aller encore plus loin. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est le Dieu qui est bon. Dieu est le Dieu qui est puissant. Partout où tu marches, je dis encore à quelqu'un et je le reprends à haute voix, de peur que quelqu'un me contredise. Je le reprends encore à haute voix. À partir de ce mois, tu ne connaîtras pas de panne sèche. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu ne connaîtras pas de panne sèche. Cela veut dire lorsque tu veux t'épuiser, ta source intarissable viendra. Il va encore renflouer pour t'amener encore aller loin. Et ça, c'est la parole de Dieu qu'il est en train de t'annoncer. Tu as fait des plans, ça n'a pas marché. Mais le mois de juillet, l'Éternel est ta source. L'Éternel est ta connexion. Dieu est le Dieu puissant. Il ne changera pas. Il fera encore des choses extraordinaires dans ta vie. Dieu qui est ta source, il modifiera le calendrier de ta vie. Dieu qui est la source, il changera des choses. Parce qu'il dit, médite cette parole jour et nuit, afin que tu réussisses, afin que tu atteignes ton but. Parce que moi, l'Éternel, je suis ta source. Dieu doit être l'objet de ta recherche.
Dieu doit être l'objet de ta pensée quotidienne. Je cherche Dieu. Je cherche Dieu. À tout moment, dans toutes circonstances, cherche Dieu. Durant ces mois, cherche Dieu. Bien à partir de minuit, peu importe l'heure, à partir de minuit, passe dans des prières de déclaration. Parce qu'il y a une porte que nous devons conquérir. Passe dans des déclarations prophétiques pour ta propre vie. Tu prends même tes mains, tu t'imposes en disant cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne. Tu t'imposes les mains, car Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Car Dieu, c'est lui qui est la source de ton inspiration. Et à un certain moment dans la vie, quand tu t'attaches à Dieu, Dieu t'inspire. Oh, quand je conduisais, je ne savais pas, j'allais parler d'autre chose. Mais Dieu qui est ma source, m'a dit petit, il a dit mon fils, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont besoin d'entendre comment réussir, c'est moi. Et tu dois leur dire, pour réussir, je dois être au premier plan. Dieu doit être au premier plan. Que ce soit dans tes finances, Dieu doit être au premier plan. Si tu étais infidèle dans un domaine donné avec Dieu, tu sais ce que tu faisais, tu ne le fais plus. Rentre encore, Dieu doit être la source. Dieu doit être en première position. Dieu est la source de toutes les choses. Et bien aimé, quand je parle de mettre Dieu en première position, cela veut dire faire participer Dieu à tout ce que tu fais. Lorsque tu veux entreprendre quelque chose, dis, papa, quelle est ta volonté? Parce que Dieu parle. Dieu parle. Tu veux voyager, ne voyage pas seulement pour voyager. Papa, quelle est ta volonté? Tu parles, c'est ton père qui doit te parler. Tu veux t'investir dans un business. Ne suis pas seulement comme les gens disent que ça marche. Non, bien aimé, si ça marche pour quelqu'un d'autre, peut-être que la source elle est mauvaise. Mais lorsque tu poses la question à ton père, il te dira, mon fils, attends, ma fille, attends. Pourquoi? Parce que tu l'associes. Vous savez, dans un couple, lorsque vous êtes associé, bien aimé, ça donne la beauté du couple. Et même dans une famille, lorsque vous voulez entreprendre quelque chose, vous voulez faire une surprise à votre papa, à votre maman, vous vous unissez ensemble pour dire, nous voulons faire une surprise à notre papa, nous voulons faire surprise à notre maman. Parce que quand vous êtes unis, bien aimé, ça fait même la force. Les Belges disent, l'union fait la force. Bien aimé, fais participer Dieu, tu ne seras pas déçu. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'ai dit, fais participer Dieu, tu ne seras pas déçu. Quand je dis faire participer Dieu, cela veut dire cherche à tout moment qu'est-ce que Dieu veut, quelle est sa volonté, quelle est sa pensée. Bien aimé, Dieu parle. Dieu parle, je vous dis la vérité. Dieu parle. Tu lui poses la question, papa, quelle est ta volonté? Que veux-tu que je puisse faire, papa? Regarde, j'ai ces 10 000 livres, papa. Je ne sais pas quoi faire. Inspire-moi. Mais il y a des gens, lorsqu'ils prennent l'argent, automatiquement, après, tu te retrouves dans la case de départ. Associe d'abord Dieu. Associe Dieu durant ces mois. Tu ne seras pas déçu. Non, je parle à quelqu'un. Associe Dieu. Tu ne seras pas déçu. Les autres qui ont été déçus parce qu'ils n'avaient pas associé Dieu. Même toi-même, tu as été déçu parce que tu n'avais pas associé Dieu. Mais cette fois-ci, associe Dieu. Mets Dieu au premier plan. Mets Dieu au premier plan. Agenouille-toi. Demande à Dieu. Papa, je veux faire ceci. Regarde le mois de juillet. Bien, mais pourquoi tu n'es pas mort avant? Pourquoi tu n'étais pas décédé? Parce que Dieu avait un plan pour ta vie. Comme Dieu a un plan pour ta vie, mets-le en premier. Consulte-le. Invoque-le. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque j'ai compris un peu encore le verbe invoquer, cela me pousse encore à dire que lorsque nous prions des choses, des fois nous ne comprenons pas. Il y a des choses, des fois nous ne comprenons pas. Quand on dit invoquer Dieu, dans le monde, lorsqu'ils font des incantations, lorsque des vaudous là, ils invoquent l'air, vous sentez comment ils entrent en transe parce que cet esprit-là vient entrer en eux pour les pousser à devenir quelqu'un. Mais nous, nous invoquons un Dieu puissant. Lorsque nous l'associons, le Dieu créateur de toutes choses habite en nous. Ouh! Dieu! Yes, ma soeur Marie Canet, Dieu est la source. Je ne veux pas toucher au fétiche. Je ne veux pas de gris-gris. Je ne veux pas qu'on me donne un fil pour mettre sur ma hanche. Je ne veux pas qu'on me donne quelque chose. Bien-aimé, moi je sais. Autant marqué, bien-aimé. Je ne suis pas pressé même dans le ministère. Je n'envie personne. Mais je sais que Dieu est ma source. Quand la saison, quand le temps arrivera, bien-aimé, dans le Seigneur, il n'y aura plus de forcing. Car Dieu est la source de toutes les choses. À un moment donné, on force. À un moment donné, on se cherche. Les gens même ne te calculent pas. Mais rentre seulement près de ta source. Mets Dieu en première position.
Est-ce que tu comprends? Mets Dieu en première position. Je crois que cette parole est en train de localiser quelqu'un. Si tu es là, la personne qui est localisée, dis avec moi, je reçois cette parole. Et quand tu reçois, cela crée un miracle dans ta vie. Cela provoque un miracle. Je vais provoquer un miracle dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé, je vais provoquer un miracle dans la vie de quelqu'un pour lui dire, pour dire à quelqu'un, fais participer Dieu. Fais participer Dieu. Nous avons fait participer les gens. Ils nous ont déçus. Tu as fait participer les gens. Ils t'ont escroqué. Mais Dieu qui est la source ne te trahira pas. Il ne t'escroquera jamais. C'est pourquoi il dit, dites, de qui suis-je débiteur? Oh, j'aime cette parole. De qui suis-je débiteur? Quand tu es un comptable, tu comprends. Quand on parle d'un débiteur, cela veut dire que c'est celui qui te doit. Et tu dois aller pour qu'il te paye. Tu dois l'appeler pour qu'il te paye. Mais quand nous... Oh my God, qu'est-ce que je vais dire encore? Qu'avons-nous fait pour que Dieu devienne notre débiteur? Rien du tout. Il s'est fait seulement débiteur pour que ta vie soit béni, pour que tu sois différent. Oh, membre, c'est à la bakine. Bien-aimé, je vais provoquer Dieu maintenant pour toi. Je vais provoquer réellement que les portes du ciel s'ouvrent au nom de Jésus. J'ai toujours promis à Dieu, je ne parlerai pas de quelqu'un d'autre, je ne parlerai que de Jésus. Parce que lorsque Jésus est associé dans tout ce que nous faisons, peu importe que le diable devienne mille fois diable, Jésus-Christ sera toujours Seigneur. J'ai dit, peu importe les issues, peu importe les choses, quand j'associe Dieu, je deviens blindé, peu importe les armes, peu importe les roquettes qu'ils peuvent utiliser, peu importe les choses qu'ils peuvent utiliser, bien aimé. Vous savez, la voiture du président américain, on appelle cela des beasts. Mais des beasts peuvent, il y a des bombes qui peuvent neutraliser des beasts. Mais Jésus-Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jésus-Christ en nous, l'espérance de la puissance. Oh, je suis en train de monter pour dire à quelqu'un, quand Jésus est associé, mon associé c'est Jésus. Quand je l'associe, il se sent obligé de devenir mon débiteur. Cela veut dire, même si je n'avais rien, mais lui s'est fait débiteur. Et il vient te récompenser parce que tu l'as associé. Tu n'as pas associé ton père, tu n'as pas associé ta mère. Mais oh, je sens la puissance de Dieu en train de descendre, Maman Thérèse, pour dire à quelqu'un. Oh, j'aime bien aimer. Quand je sens ces choses, je sens que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Des fois, que je n'arrive pas à me regarder après parce que je me pose la question. Samuel, qu'est-ce qui t'a pris? Ce qui m'a pris, c'est que je suis ivre de la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu est à l'œuvre pour localiser quelqu'un, pour lui dire, quand tu associes Dieu dans tes affaires, quand tu associes Dieu dans ta vie, bien aimé, les choses seront différentes. Quand Jésus-Christ est associé dans ce que tu fais, on ne le verra pas. On ne voit pas la source du fleuve Congo. Les gens négligent cela, mais les gens voient le barrage. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es le fruit de la source. Et la source à laquelle nous sommes attachés, c'est une source intarissable. C'est Jésus-Christ de Nazareth, cet homme de Galilée, ce jeune homme de 33 ans qui a séparé l'histoire en deux, avant et après. Parce que c'est lui qui est l'auteur, c'est lui qui est ma source. Oh! Oh, Rambro Kateraba, Mbere Kotorobo Cheterebeng, Rinde Bokolobo Cheterebeng. Oh, je sens, bien-aimé dans le Seigneur, que quelque chose est sur le point d'arriver maintenant. Quelque chose est sur le point d'arriver dans ta vie. Dieu n'a pas changé. Pendant que je suis en train de parler, même si tu as des complications, tu peux imposer ta main sur ton ventre, la puissance de Dieu te touche maintenant, au nom puissant de Jésus. Si tu as des problèmes financiers, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une sœur qui avait témoigné. Pendant que j'étais en train de parler, elle a pris ses cartes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a visitées. Normalement, ils vivaient dans le découvert. Mais à cause de la prière, Dieu a changé. Mais si tu sens cela, c'est moi aussi, c'est possible. Tu peux seulement prendre tes cartes bancaires. Tu peux prendre
prendre tes cartes bancaires. Toi qui es encore, toi qui vis dans les découverts, tu peux prendre les cartes bancaires. Et je libère une parole maintenant. Je suis en train de libérer une parole maintenant. Je suis en train de libérer une parole maintenant. Toi qui es en train de connaître des situations difficiles, tu es en train de connaître des situations difficiles. Les 6 mois passés étaient mauvais. Mais je viens te dire, l'Éternel Dieu s'élève. L'Éternel Dieu s'élève pour changer ton histoire. L'Éternel Dieu s'élève pour changer ton histoire. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Manderebochata. Oh bien-aimé, je suis en train de sentir réellement la. Oh Mambro Saterabayende Kolobochete. Dieu est la source. Dieu est la source. Dieu est la source. Nous ne nous attachons pas à quelqu'un, bien-aimé. Je n'ai rien à te donner si ce n'est que le nom de Jésus. Associe Jésus, tu ne seras pas perdant. Associe Jésus, tu ne seras pas perdant. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, nous sommes en Christ. Et quand j'associe Jésus, quel est ce diable qui viendra étendre sa main pour te bloquer? Oh, je déclare et je décrète au nom de Jésus, tu deviens instoppable in Jesus' mighty name. Je dis à quelqu'un, personne ne peut te stopper maintenant. C'est moi si bien-aimé, tu entreras dans la gloire et tu clôtureras le mois dans la gloire. Et je décrète et je déclare, 31 jours de visitations spectaculaires au niveau de ta santé, au niveau spirituel, au niveau matériel, au niveau de l'emploi, au niveau des enfants. Je décrète cela au nom de Jésus. Peu importe les décrets qui a été signé, moi je viens tant que la source est intarissable. Jésus, je viens déclarer et décréter dans la vie de quelqu'un l'histoire de ta vie change maintenant en écoutant le son de ma voix. L'histoire de ta vie change maintenant. J'ai dit l'histoire de ta vie change. Toi qui étais appelé célibataire, la grâce de l'Éternel te localise. Toi qui étais appelé stérile, la grâce de l'Éternel te localise. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, et je libère une parole prophétique pour la République démocratique du Congo. Que l'Éternel des armées s'élève et qu'il change l'histoire. Et qu'il change, Seigneur, que les prédictions qui ont été dites contraires. Je m'élève en tant que serviteur de Dieu pour décréter et dire, c'est encore possible. La vie encore possible. Oh Rabaka Rabachete. Dieu est la source. Dieu est la source. Dieu est la source. Oh là, alléluia. Oui, ma soeur Nissia, est-ce que tu peux partager encore la vidéo? Je demande aux frères et sœurs qui me suivent à partir de la Guadeloupe. Hein, partagez un peu la vidéo parce que cette parole est en train de localiser. Toi qui es à Kinshasa, partage encore la vidéo. Car Dieu est en train de localiser les gens. Cette parole va frapper nord, sud, est et ouest pour amener. La Bible dit, ordonne à ce que le vent puisse se libérer, que le vent puisse se relâcher. Et j'ordonne que le vent de l'est, que le vent de l'ouest, du nord et du sud, libère ce qui est à toi. Que ce mois de juillet, Marenda Bakete. C'est mois de juillet. C'est mois de juillet. C'est mois de juillet. C'est mois de juillet. Je déclare cela. C'est mois de juillet. Que l'Éternel étende sa main. Le mois de juillet. Que l'Éternel des armées. Le Dieu devant qui nous nous tenons. Bien-aimé, c'est comme si le Seigneur me bloque ici. Je n'arrive pas à aller sur un autre point. Le Seigneur est en train de me bloquer pour dire à quelqu'un, Dieu doit être au premier plan. Tu veux te marier? Dieu au premier plan. Tu as des business qui n'avancent pas? Dieu au premier plan. Tes enfants sont dans la rue? Dieu au premier plan. Oh, je me rappelle d'une sœur qui m'avait appelé. Son fils entrait dans la cigarette et dans tout ça. Nous avons prié. Dieu qui est la source de cet enfant, à ramener l'enfant à la maison. Je veux dire aussi à quelqu'un, s'il y a des situations, oh, même si des enfants sont avec toi, ce que tu peux faire, tu peux seulement les imposer les mains pour leur dire que Dieu soit votre source. Ma korodebo cheterebo keterebo mandelebe. Oh ma fille Lestine Bisaga, sois bénie ma fille. Sois bénie ma fille. Pendant que tu me suis en République démocratique du Congo, ton papa est en train de décréter une parole pour toi, pour ton mari, pour tes enfants. Au nom puissant de Jésus, que la grâce de l'Éternel te localise là où tu es. Au nom puissant de Jésus.
Oh, je sens la puissance de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Je sens la grâce de Dieu. Mandereko, rindo bo siterebe yande, kendere bo shetaraba kente. Dieu est la source de ma vie. Dieu est la source de ma vie. Dieu est la source de ma vie. Ne mélange pas ta vie. Ne mélange pas ta vie avec quelqu'un. Mais attache-toi seulement à Dieu. Attache-toi seulement à Dieu. Attache-toi seulement à Dieu. Attache-toi à Dieu. Car Dieu, c'est lui la source de notre vie. Dieu est la source de notre vie. Si tu connais quelqu'un qui est malade, partage cette vidéo avec la personne. Pendant que tu as partagé, la grâce de l'Éternel va le localiser. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Makoronda bachetelebe kata. Rindobo setaraba ketaraba yende. Korondobo siterebe. Il est le Dieu puissant. 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 Quel est le nom de la maladie qui t'embrouille maintenant? Tu peux même écrire, tu peux même envoyer un message. Je suis en train de voir le message. Tu peux envoyer un message. Quelle est cette situation? Je vais décréter une parole prophétique. Dieu est la source de ma vie. Ce mois-ci, le mois de juillet, nous sommes attachés, nous sommes attachés, accrochés. Ce mois-ci, bien-aimé dans le Seigneur, ce mois-ci, mambro setalabake, ce mois-ci, makandele bochete, ce mois-ci, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura des phénomènes, non pas bizarres d'après le monde, mais qui vont se produire dans ta vie d'une manière extravagante, d'une manière exceptionnelle. Car c'est Jésus-là va se lever maintenant. C'est Jésus-là, nous l'avons associé. C'est Jésus-là, c'est sans obliger de s'élever. Jésus-là, il a pris la décision de pouvoir s'élever. Et je parle à l'hernie discale de disparaître maintenant au nom de Jésus. Je parle à l'hernie discale. Disparaît maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ton lombril soit réparé maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus, ce n'est pas moi, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. Je prie maintenant que l'épilepsie libère, au nom de Jésus, que l'épilepsie libère, que l'épilepsie libère, au nom de Jésus, que l'épilepsie quitte maintenant. Seigneur, toi tu es la source, tu n'es pas le Dieu qui soulage. Moi, je ne prêche pas un Jésus qui soulage. Moi, je prêche un Jésus qui guérit, non pas demain, mais instantané. Je suis en train de parler à l'hernie discale. Je suis en train de parler à l'épilepsie, de pouvoir libérer, de pouvoir libérer, de pouvoir libérer au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as besoin de l'orientation de Dieu pour ton mariage. Cette nuit, l'Éternel Dieu va te parler. L'Éternel Dieu va te parler. Tout sera à nu et à clair au devant de ta présence. Ça, c'est la parole de l'Éternel pour ta vie. Rembro sakarandebo shetaraba. Rindobo keterebe. Je n'ai pas besoin de connaître ton problème, mais je te présente le Jésus qui donne la solution au problème. C'est Jésus. C'est Jésus. Oh, mambro seandekar. Oh, mandelebo sheterebo yanderebo. La gloire de l'Éternel est descendue. La présence de Dieu est descendue. La présence de Dieu est descendue. Que l'Éternel te localise. Si tu aimes quelqu'un, partage cette vidéo pendant que je vais commencer déjà à faire des déclarations. La guérison va commencer à germer. Et soyez promptes pour des témoignages. Au nom de Jésus. Que ces douleurs intestinaux de maman Vivienne disparaissent maintenant au nom de Jésus. Seigneur, là où maman Vivienne se trouve, maman Viviane, je parle aux douleurs intestinales de disparaître au nom de Jésus-Christ Nazareth. Non pas demain, maintenant. Il est l'Éternel Dieu qui guérit, Jéhovah Rapha. Localise maman Viviane. Localise ma Viviane et que sa vie soit libre maintenant au nom de Jésus. Merci sœur Hélène pour apporter les témoignages de maman Viviane. Qui encore? Dieu est en train de localiser. Dieu est en train de localiser. Maman. Quelle puissance. Quelle gloire. Quelle puissance. Quelle gloire. Mandeleboke. Oh, l'esprit prophétique est descendu. Mandelebokatelebo. Yekendelebo shetelebe. Pendant que j'étais en train de prier pour l'ernie
discale. La main de l'Éternel était en train de toucher. Était en train de toucher. Et pendant que j'étais en train de prier, je voyais avec comme de la pu qui était en train de sortir. Ne t'inquiète pas. C'est cette manière que l'Éternel Dieu est en train de guérir. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je parle maintenant. Ma sœur Marie, que tout ce qui est de boutons qui te gratte, que cela disparaisse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. 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 Que cela disparaisse au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ma fille Lestine Bisaga, est-ce que tu peux appeler Maman Pacte Bisaga à pouvoir se connecter maintenant? Il y a une grâce que l'Éternel Dieu me demande aussi de pouvoir prier aussi pour elle. Mambro se karabayende. Kendelebo se karabaketerebo. Oh, que l'épaule de Josiane soit libérée. Que l'épaule de Josiane soit libérée maintenant. Au nom puissant de Jésus. 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 Josiane, que ton épaule soit libre maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je prie que la tache noire, une tache qui se manifeste au niveau de son poumon, que cela disparaisse. Au nom puissant de Jésus, 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 in Jesus' mighty name, I release the power of the Holy Spirit. Be healed now, in Jesus' mighty name. Mambro se karaba, rindobo keterebo shataraba yende, kenderebo seterebe yanderebo ke. Dieu est en train de guérir. Dieu est en train de guérir. Dieu est en train de guérir. La puissance de Dieu est en train de guérir. Toi qui as mal au niveau de ton ventre, touche ton ventre. L'Éternel Dieu est en train de guérir. L'Éternel Dieu est en train de guérir. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je prie pour Marie Madeleine. Au nom de Jésus. Que l'Éternel apporte la restauration. Marie Madeleine soit restaurée. Soit restauré, que l'Éternel remplace en qualité et en quantité. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Marie-Madeleine, au nom de Jésus, sois restauré. Et je parle au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que ce vomissement, Seigneur mon Dieu, que ce vomissement s'arrête maintenant. Que ce vomissement s'arrête, Éternel mon Dieu de gloire. Que tout ce qui était contraire, Éternel mon Dieu, sorte. Et je déclare maintenant la cessation de vomissement. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Ma korobo, c'est pourquoi le diable était en train de bloquer pour que cette vidéo, pour que ce live n'ait pas lieu. Bien-aimé, je sens entre mes mains, il y a un feu qui descend. Il y a un feu qui descend. Manuel, oh rabacheta rabaketerebe, prends seulement tes deux mains, touche le ventre de ta femme. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je libère la puissance de Dieu. Je libère la puissance de Dieu. Il y a un temps pour tout, Seigneur. Il y a un temps pour tout, Seigneur mon Dieu. Il y a un temps pour tout, Éternel mon Dieu de gloire. Il y a un temps pour tout, Éternel mon Dieu de gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, place ta main sur ton ventre, ma sœur Lydie, place ta main. Dieu est le Dieu qui est en train de libérer toute stérilité sous toutes les formes, de second ou de premier degré. Je libère maintenant la grâce de Dieu. Seigneur mon Dieu de gloire, il est écrit, Abraham, nous serons bénis et le fruit des entrailles sera béni. Seigneur mon Dieu de gloire, je déclare au nom de Jésus-Christ Nazareth, je déclare au nom de Jésus-Christ Nazareth, je déclare au nom de Jésus-Christ Nazareth que cette stérilité quitte, quitte maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'Éternel des armées produise deux nations dans ton ventre maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Manderebo karaba, cheterebe, kanterebo karaba. Associe Dieu, associe Dieu, associe Dieu. Makarandebo keterebo ke, kanderebo cheterebe, kantalaba ke. Yendelebo ke. Oh, mon ami, la prophétesse de Dieu, bénie de Dieu, Mariette. Laisse que la grâce de l'Éternel te localise, servante de Dieu. Que la faveur de l'Éternel te localise, servante de Dieu. Que Dieu des armées te localise, localise ton ministère. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, la grâce de cracher le feu soit ton partage au nom de Jésus-Christ Nazareth. Rembro katarandebo shetarabakin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, korandaba kolobo shete. Je prie éternellement, mon Dieu de
gloire. Pour Elkana, Manderebo Cheterebe, sois guéri d'endométriose, au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus. Elkana, je te libère de ces mal d'endométriose. Écoutez un peu les noms, combien le diable est tellement méchant. Il crée des noms compliqués. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, sois libéré de cela. Sois libéré de cela. Sois libéré de cela. Et que la main de l'Éternel te touche là où tu es, Elkana, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus. Oh bien-aimé, cette année, je ne veux pas que les gens donnent naissance aux prématurés, mais je veux que les gens donnent vraiment 9 mois. Cela veut dire, à dater du mois de juillet, compte 9 mois et entre les mains, oh, tu porteras, tout dépendra de ta foi. Mais tu porteras, si tu veux un enfant, tu ne veux pas de complications, des jumeaux, des jumelles. Ça dépendra de toi. Mais je déclare, c'est la parole de l'homme de Dieu. Au nom de Jésus, à dater de ce 1er juillet, que l'histoire de ta vie change. Que l'histoire de ta vie change. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que l'histoire de ta vie change. Mambro se karabayende. Kende reboche terebe. Kende reboche terebe. Au nom de Jésus. Ma sœur Venise, que toute distraction soit ôtée de ta vie au nom de Jésus. Et l'Éternel Dieu est en train de te parler aussi. Tu dois écouter. Écoute beaucoup plus Dieu. Écoute Dieu, car il a besoin réellement de toi. Il a besoin que tu l'écoutes. Mambro se karandebo. Rindebo koroabache terebe. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Alléluia. 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 Oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de me bloquer pour aller. Je ne peux pas encore continuer. Je ne peux plus continuer. Mais je veux seulement prier pour les gens. Je vais prier pour les gens. La grâce de l'Éternel est descendue. La gloire de l'Éternel est descendue. La gloire de l'Éternel est descendue. Manderebo shetaraba yende kenderebo si. Ma sœur Valérie, que la grâce de l'Éternel te localise. 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 Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu puissant, il est le Dieu vivant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. C'est lui qui éloigne la maladie de nous, c'est lui qui éloigne des situations compliquées. Oh, gros mandélébe, bien-aimé, Dieu est l'auteur de ma source. Dieu est l'auteur de ma source. Dieu est l'auteur de ma source. Je n'ai pas d'autre source. Bien-aimé, je n'ai pas un autre nom. Il n'y a que le nom de Jésus. Je n'ai pas quoi que ce soit. Ce n'est que le nom de Jésus. Je n'ai que le nom de Jésus. Je viens présenter Jésus. Je viens présenter Jésus. La Bible dit, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, vous avez vu comment Dieu a oint de force et de puissance. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, guérissant le malade. Et il s'arrête là pour te dire, il est prêt à te guérir. Il est prêt à te guérir. Il est prêt à te guérir, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Il est prêt, notre Dieu, il est prêt à changer les circonstances. Mambro setaraba yende, kende rebo shite rebe yende, yende rebo shite rebe kante rebo. Il est le Dieu vivant, il est le Dieu vivant. Oh ma fille, Lestine Bisaga, Dieu t'aime ma fille, Dieu t'aime. Dieu t'aime ma fille. Dieu t'aime ma fille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour tes enfants, Lestine Bisaga. Je prie pour tes enfants au nom de Jésus. Je prie pour ton mari. Je prie pour tout ce que tu es en train de faire. Qu'un témoignage sorte au nom de Jésus-Christ Nazareth. Qu'un témoignage sorte au nom de Jésus-Christ Nazareth. Qu'un témoignage sorte. Manderebo cheterebe keterebo chata. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu puissant. Que la gloire te soit rendue. 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 Manderebo shakaraba. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu puissant. Oh bien-aimé,
Je ne saurais pas avancer, donner encore un autre point. Je m'arrête là parce que Dieu a bloqué ma bouche. Dieu a bloqué ma bouche. Dieu, il est Dieu qui t'aime. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais changé notre Dieu. Il n'a jamais changé notre Dieu. Il est le Dieu qui apporte la réponse. Il est le Dieu qui apporte la solution. Il est le Dieu qui stabilise les vies. Il est le Dieu vivant. Ma soeur, mon frère, même si je n'ai pas cité ton problème, mais une seule chose, c'est moi qui commence. Le mois de juillet sera un mois de tournant. Sera un mois décisif. Sera un mois où les gens qui te regardaient, qui secouaient la tête, ils vont secouer encore la tête, mais dans l'étonnement, de voir ce que Dieu va faire. Oh, 31 jours de puissance et de gloire. 31 jours de visitation divine. 31 jours de puissance. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, que tes enfants soient épargnés. Que ta vie soit épargnée. Au nom de Jésus, toi qui souffres de problèmes de perte de sang, l'Éternel Dieu est en train de te guérir maintenant. L'Éternel Dieu est en train de te guérir maintenant. L'Éternel Dieu est en train de te guérir maintenant. Toi qui souffres de problèmes de perte de sang anormal, l'Éternel est en train de te guérir maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toi qui subis des pertes financières inexplicables, l'Éternel des armées est en train de te localiser. L'Éternel des armées est en train de te localiser. Lève tes mains là où tu es. Que la grâce de l'Éternel soit sur toi. 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 Que le relèvement soit possible. Que le relèvement soit possible. Que le relèvement soit possible. Pendant que je suis en train de parler, tu verras que la perte de sang qui était anormale s'est arrêtée maintenant. S'est arrêtée maintenant. Dieu t'a guéri. Dieu t'a guéri. Dieu t'a guéri. Dieu t'a guéri. Et tu verras que tout redeviendra normal. Et tu vas concevoir. Alléluia. 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 Mambro kalebochete. Yekandelebocheta. L'Éternel Dieu est en train de guérir un enfant. Il y a quelqu'un qui me suit. Il y a ton enfant qui a des fois des problèmes au niveau de sa tête. Des fois, la tête lui fait très mal. Il est allé même voir le médecin. Vous pensez que c'était des lunettes. Mais ce ne sont pas des lunettes. Mais Dieu est en train de guérir ton enfant. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus. L'Éternel Dieu est en train de guérir quelqu'un qui connaît des troubles d'angoisse. Des troubles d'angoisse. L'Éternel Dieu est en train de guérir maintenant. L'Éternel est en train de guérir des troubles d'angoisse, des stress. Dieu est en train de libérer au nom de Jésus-Christ Nazareth. Dieu est en train de libérer au nom de Jésus-Christ Nazareth. L'Éternel est en train de guérir quelqu'un qui a, je ne sais pas comment on appelle, l'eczéma. Dieu est en train de guérir l'eczéma. Dieu est en train de guérir de l'eczéma. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, Dieu est en train de guérir de l'eczéma. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, l'Éternel Dieu est en train de libérer le pancréas. L'Éternel est en train de libérer le pancréas. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, il y a la main de l'Éternel qui est en train de toucher présentement. La main de l'Éternel est en train de toucher présentement des problèmes au niveau des reins. Au niveau des reins, la présence de l'Éternel, la main de l'Éternel est en train de guérir, de toucher. Tu as un problème avec le rein. Il y a l'autre qui a perdu le pourcentage. Dieu est en train de faire remonter tout normal. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus-Christ Nazareth, l'Éternel Dieu est en train de réparer. Il y a quelqu'un qui sentait au niveau de son œil
son œil gauche. Son œil gauche. Et il y avait un mal qui descendait, qui descendait, qui descendait. Et même tu avais peur, croyant que ça devait être une paralysie faciale. Mais l'Éternel Dieu te guérit au nom de Jésus-Christ Nazareth. L'Éternel Dieu te guérit au nom de Jésus. Ce mal te quitte. Ce mal te quitte au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois libre de cela. Tu n'entreras pas au mois de juillet avec ce problème. Tu n'entreras pas au mois de juillet avec cette maladie. Merci Seigneur, parce que l'acte de décès de cette maladie est signé et que ta vie est libre maintenant, libre de mouvement. Pendant que je suis en train de parler, tu peux commencer à faire un mouvement que tu n'arrivais pas à faire. Même si tu suis ce message en différé, il y a la même puissance de Dieu. Seigneur, élevons seulement nos mains. J'avais promis de ne pas abuser, de ne pas trop dépasser avec le temps. Je prie au nom de Jésus-Christ Nazareth que la faveur de mon Dieu te localise. Que la faveur de mon Dieu te localise. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Père, je te dis merci. Car c'est moi qui commence. Commence avec détermination. C'est moi qui commence. Nous te mettons au premier plan. C'est pourquoi la porte du mois de juillet ne peut pas résister. Car la Bible dit « Porte, élevez vos linteaux, car l'Éternel fait son entrée. » Seigneur mon Dieu de gloire, je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ Nazareth que tout ce qui était négatif durant le mois de juin, mon Dieu, ne poursuit pas ma soeur, ne poursuit pas mon frère au nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu de gloire, il est écrit « Ce que nous fermerons sur la terre sera fermé au ciel. » Yahweh, Père éternel, tous les échecs, tous les pleurs, tout ce qui était négatif durant le mois de juin, j'arrête cela au nom de Jésus. Que les anges qui ont été destinés pour le mois de juin, qui avaient une mission, mon Dieu de gloire, que ces anges n'en entrent pas avec ma soeur, avec mon frère au mois de juillet, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je décrète et je déclare pour ce mois de juillet, laisse que l'ange qui amène la bénédiction te localise dans ta santé, dans tes finances, dans tes sentiments, dans tes émotions, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que une nouvelle page de ton histoire commence. J'ai dit une nouvelle page de ton histoire commence au nom de Jésus. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va écrire ton histoire, mais toi-même. Prends l'encre du Saint-Esprit. Commence maintenant à déclarer pour ce mois de juillet, que ce soit un mois où il y aura l'huile, où il y aura le miel qui va couler, le lait qui va couler dans ta maison, partout là où il y avait la sécheresse, que la vie de Dieu coule en abondance. Au nom de Jésus, que cette parole localise quelqu'un, que tes ennemis ne te voient plus. Donc je dis à quelqu'un, que tes ennemis ne te voient plus. Ce mois de juillet, tu es invisible dans les radars. Tu es invisible au nom de Jésus. Les gens qui t'ont vu au mois de juin, au mois de juillet, ils ne te verront plus. Les hôtels qui te commandaient ne te commanderont plus. Parole de l'homme de Dieu, au nom de Jésus-Christ Nazareth. 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 Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous avons ainsi prié et à l'unisson, nous disons tous Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer des cœurs? Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer des cœurs? Est-ce que je peux voir des cœurs de quelqu'un qui est content? Est-ce que je peux voir des cœurs de quelqu'un qui est content? Est-ce que je peux voir les acclamations de quelqu'un? Est-ce que nous pouvons acclamer? Est-ce que nous pouvons... Oh, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent m'envoyer des cœurs là? Oui, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent m'envoyer des cœurs, des likes? Gloire soit rendue à l'Éternel. Oh, merci Jésus. Pendant que tu envoies des likes, cette parole est en train de te localiser. Oh, mambro yenda là-bas. Cette parole est en train de te localiser. Cette parole est en
en train de te localiser, sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia. Est-ce que tu peux envoyer des cœurs? Est-ce que tu peux envoyer des likes pour approuver réellement que Dieu t'a fait du bien? Alléluia, alléluia. Ma sœur Lydie, n'arrête pas de témoigner. Alléluia. Sœur Hélène, témoigne. Sœur Nucia, témoigne. Mambro Setarabake. Ma fille Nadine Kapinga, témoigne de ce que Dieu a fait. Koraba Cheterebe Kalaba. Oui, Manuel, l'homme de la sauve finale, témoigne. Ma fille Junia Mossi, témoigne de ce que Dieu a fait. Mambro Sekarabagin. Gloire soit rendue à l'Éternel. Papi Mutombo, témoigne. Ma fille Stéphie, témoigne. Oh, alléluia. Ma fille de Kayoka, témoigne de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit. Oh, les grands, Glodier Souka, que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Live à partir de Dallas, Texas, un homme de bien. Be blessed, man of God. Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel. Il est le Dieu puissant, il est le Dieu puissant. Oh, frère Patrick, sois béni abondamment, sois béni. Alléluia, alléluia. Ma sœur Nucia Popote, sois béni. Oh, que la grâce de l'Éternel vous localise. Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel. Bien-aimés, nous arrivons à la fin de notre service. Mais je vous rassure, bien-aimés, les vendredis à partir de 18h30, heure de Londres, nous serons là. Nous allons continuer et je crois qu'il y aura encore l'avalanche de la puissance de Dieu. Oh, ma sœur Nathalie Smith, que Dieu te bénisse. Dieu t'avait déjà localisé. Je ne savais pas que tu étais là, mais Dieu t'a localisé. Sois béni abondamment et Vanessa aussi soit bénie. Gloire soit rendue à l'Éternel. Merci Jésus. Maman Janine soit bénie. Gloire à l'Éternel. Servante de Dieu, Mariette soit bénie. Femme de Dieu. Dieu a changé réellement encore la puissance dans ton ministère. Que la gloire te soit rendue éternelle. Bien-aimés, n'oublions pas que nous sommes là à partir de 5 heures justes. Nous sommes là à partir de 5 heures justes où nous allons passer des moments dans la prière. Donc, aujourd'hui, bien-aimés, ça sera une surprise. Si tu te connectes à minuit heure d'Angleterre, nous serons là en train de faire des déclarations prophétiques. Donc tout dépendra de toi, tu peux entrer sur Facebook, je serai live sur Facebook pour faire des déclarations prophétiques pour ce mois de juillet qui commence. Et 5 heures nous sommes là, que Dieu nous bénisse. Et pour la République démocratique du Congo, oh, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et j'avais promis de terminer aussi pour célébrer avec tous nos frères et sœurs de la République démocratique du Congo ces cantiques que nous sommes en train de livrer pour dire à quelqu'un. Bonne fête d'indépendance à tous les Congolais. Soyez bénis, le peuple congolais. On n'attendait pas bien l'autre pasteur. Oh. Oh, ma soeur Mireille, sois bénie. Célébrons le Congo, que le Congo soit béni. Qui aime son, soyez bénis, que la République démocratique du Congo soit bénie. Alléluia. Que le Congo soit béni. Alléluia. Que le Congolais se dit, tenez-vous la main dans la main, car Dieu marche avec vous, Congolais, peuple congolais, réveillez-vous, soyez bénis. Ouh, ouh.
Soyez bénis. Alléluia. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent donner des likes même pour souhaiter bonne fête d'indépendance? Alléluia. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis. Bien-aimés, nous vous aimons. C'est le révérend Samuel Sapou. S'il y a des requêtes de prière, n'hésite pas. Notre numéro de WhatsApp est là. Tu peux aussi appeler même sur notre Messenger Facebook. Nous allons prier avec vous. Que mon Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Nous sommes là pour vous, pour servir le Dieu très haut. Ma fille Lestine Bissaga soit bénie. Au nom de Jésus. Amen. Bye bye à tous mes enfants, à toutes mes filles. Soyez bénis abondamment. À tous mes frères, à toutes mes sœurs qui étaient connectées, qui vont se connecter après. Soyez bénis de la Guadeloupe, Martinique, Kinshasa, partout. République démocratique du Congo, la France, l'Angleterre. Soyez bénis. Nous vous aimons. Si j'ai omis les noms, pardonne-moi. Même dans les messages, je vais répondre. Soyez bénis. Je vous aime bien. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bisous.